G2A.com. Over 600 products, 24/7 support, and no registration required. Visit now. Précédemment, dans le voyage d'un Kevin. Jeune Kevin, vous avez fait un travail remarquable. Prenez cette épée. Occupez-vous-en! C'est votre destinée. Vous devez le terrasser. Quoi? Oh mon Dieu. Nous allons vous amener voir notre chef Dorfazel pour témoigner de ce qu'il s'est passé. Je suis désolé, mais nous devons aller à la Contrée des Neiges. Nous devons suivre à présent le fil de la... Il n'en est pas question. Notre chef doit être au courant de la situation. Nous vous laisserons partir dès que vous aurez fini. Très bien, allons-y. Mais nous n'avons pas de temps à perdre. Dépêchez-vous, soldats. Nous avons de la route. Clarisse, qu'est-ce qu'on va dire à leur chef? Nous allons dire à Dorfazel ce que nous avons vu. Alors, vous êtes prêts à changer de paysage? Nous partons pour Sagletron. Sommes prêts, Lerzak. Nous sommes prêts. Votre ville est encore loin? J'en peux plus. Ça fait des jours qu'on marche. Malheureusement oui. Sagletron est à l'autre bout de notre territoire. Nous venons juste de rentrer dans la forêt. Ah, mes pauvres jambes. Dites-moi, Lerzak, parlez-moi de votre roi. Dorfazel, notre haut roi, est issu de la très noble famille royale elfique, le descendant direct de Amaen Siridal. Amaen a repoussé de son épée les elfes noirs, ces chiens de traître. Loué soit notre héros. Il y a eu des elfes noirs? Oui, mais ils n'ont pas fait long feu. Amaen les a renvoyés dans leur buterie de souterrain. Dorfazel est le descendant direct, l'arrière-petit-fils de Amaen. Il est monté sur le trône de ses ancêtres après la guerre de la corruption. Nous le respectons tous. Tâchez de lui montrer votre bienveillance et ne lui parlez surtout pas de cette maudite guerre. Il risquerait de s'en prendre après. Mais les elfes noirs ont eu un rôle aussi important dans votre peuple? Ils ont eu leur place dans les écrits elfiques. Mais cela est une toute autre histoire. Et enfin, après quelques jours de marche... Nous y sommes enfin, voici Sagletron.
beau. Ça, tu l'as dit. On a le temps de visiter ? Vous aurez le temps de faire vos visites plus tard. Dorfazel veut vous voir impérativement. Quelle est cette étrange matière ? C'est de la luminite, un cristal elfique. Il n'y a que dans les forêts elfiques et dans les grandes villes que tu trouveras ce matériau. Allez, viens, on nous attend. Waouh, incroyable ! Bonjour, mon roi. Bonjour à vous. Dorfazel. Mon roi, nous avons ramené la princesse des neiges, ainsi qu'un jeune Kevin. Vous avez bien fait, Lerzak. Je vous attendais, Steve. Comment saviez-vous ? Je me rappelle pas avoir... Une personne que vous connaissez a fait le déplacement et souhaiterait vous voir. Quoi, mais... Oh non... Paradael ! Enfin, je te retrouve, modernement. Pas je... Non ! Tais-toi ! Tu n'es pas digne de parler ! Je peux tout expliquer. Silence, les mots ne sont plus rien. Le voyage se termine ici, Steve. Tu vas rentrer avec moi et tu seras jugé comme tous non, les mais, autres qui mais ne respectent pas le paquet c'est de travail. Très important. Attrapez-le. Oh. Merci de votre hospitalité, Dorfazel, ainsi que pour avoir ramené ce sale vaurien à moi. Nous nous reverrons. Bon retour à vous, Okilemon. Et qu'est-ce que tu fais de moi ? Tu m'avais dit que tu me laisserais pas tomber. Je suis désolé, Clarisse. Chère Clarisse, je voudrais savoir pourquoi la Cité des Sables s'est brusquement effondrée. Je vais tout vous expliquer, mais vous ne pourriez pas tenter de convaincre le père de Steve de revenir ? Je pourrais. Mais son caractère est tel que cela ne servirait à rien. Vous tenez tellement à votre ami ? Oui, je lui dois beaucoup. Laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé. Entrons, nous serons mieux dedans pour en discuter. Des lacs de magma brûlant, un sol assez vallonné fait de roches rouges, quelques vallées de gravier et de sable lourd. Oui, le Never possède un beau paysage. Un très beau paysage même. Mais la présence de créatures maléfiques gâche toute cette beauté, rendant cet environnement difficile d'accès et dangereux. Du haut du balcon de son impressionnante bâtisse, Denzor admirait avec fierté son territoire. Stupide dragon, il n'a même pas été capable d'écraser un Kevin. Maître, je suis désolé de vous le faire apprendre. Votre fidèle dragon a péri aux mains de l'élu. Mais il a eu le temps de réduire Carnage à néant. Ainsi la prophétie commence. Tout d'abord le terrassement de la bête noire. Nous devons faire vite, maître. Nous devons empêcher l'élu de récupérer vos fragments de... Silence, misérable serviteur. Je sais où les morceaux de ma puissance sont cachés. Mes intentions sont gardées. Très bien gardées. J'entamerai le début de mon plan quand ils chercheront à les récupérer. C'est comme vous voudrez, maître. Je retourne dans mes appartements.
ils auront le droit à quelques surprises lors de leur périple. Eh bien bonjour à tous, ici Keldorn, et donc maintenant c'est moi qui refais le générique. Tout d'abord pour vous remercier hein, d'être venu regarder cette vidéo, ça fait toujours autant plaisir. J'ai pas mal de remerciements à faire. Tout d'abord, ben merci à vous les abonnés, ça fait super plaisir de voir que vous êtes encore là, malgré le retard, l'attente qu'on a, enfin voilà, désolé encore. Remercie aussi Ascentia hein, qui nous ont procuré beaucoup de soutien. Les joueurs ont été très sympas, très très accueillants, très motivés, enfin bref, c'était génial. Puis aussi, je souhaite faire un grand merci au soutien de Azendark Productions et de Chris Fly, qui donc ont pu participer à la série grâce à leur rôle. Donc ça fait super plaisir les gars que vous êtes mobilisés pour nous, sans déconner, ça nous fait franchement chaud au cœur. Et puis, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Ben voilà. Hein, j'espère que cet épisode vous a plu, hein. C'était plutôt penché cette fois-ci sur le côté voyage, vu que celui d'avant était plus gore, on va dire. Du coup, ce que je vous conseille, si ce n'est pas encore fait, c'est de vous abonner à la chaîne pour pas louper la sortie du prochain épisode. Continuez à nous suivre, laissez-nous un avis dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à faire ça. Et dernière chose aussi, merci, un grand merci encore une fois pour les abonnés à vous tous. On a fait les 4000 abonnés, c'est juste excellent. Je savais pas comment faire de vidéo de remerciement, du coup ça va être c'est votre cadeau l'épisode 6 en quelque sorte. Donc encore merci à toutes les aux 4000 fans, ça fait vraiment vraiment super plaisir. Et ben sur ce, moi j'ai tout fini hein. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du voyage d'Akevin qui sera donc l'épisode 7. Et en attendant, n'hésitez pas à aller regarder nos courts-métrages ainsi que nos fanpages, ça nous fera super plaisir. Et ben ciao ciao les gens.